Salut à tous, salut les gamers. Aujourd'hui donc je vous annonce que je vais faire une vidéo de Minecraft qui vous présente mon village médiéval. Il est un peu spécial hein, mais bon de toute façon on verra bien pendant la vidéo. Et je vais vous annoncer que j'ai toujours pas Fraps malheureusement, ni un autre logiciel de capture. Espérons que ça vous saoule pas trop, mais bon voilà quoi. C'est pas comme si non plus je filmais avec un iPhone. Donc je suis désolé, j'ai pas encore de logiciel de capture, mais il faudrait pas que je tarde à en acheter un. Donc, et puis en fait, si je n'achète pas de logiciel de capture, c'est parce que j'ai déjà énormément de logiciels dans l'ordinateur, ce qui fait que ça rame énormément. Il faudrait que j'en efface des logiciels dont je m'en sers plus, comme Windows Movie Maker, un vieux logiciel de montage. Bon, maintenant j'utilise Videopad, mais avant, il y a quelques mois, j'utilisais Windows Movie Maker. Donc il faudrait que j'efface ce logiciel par exemple. Et puis aussi le logiciel Hypercam 2, qui est un logiciel de capture que j'avais téléchargé, mais seulement il marchait pas. C'est pour ça que j'ai pas pu faire de vidéo avec. Donc on va commencer la vidéo et à plus. Salut à tous, salut les gamers, c'est ZLM89, donc aujourd'hui nous nous retrouvons sur une petite vidéo sympathique dans Minecraft. Donc je vais vous montrer ma superbe construction de fou. Donc j'avais pensé à toi, donc tout d'abord en fait j'avais pensé à un petit village médiéval, mais un petit peu spécial quoi hein. Je pense pas qu'à l'époque il y avait beaucoup de villages comme ça à l'époque du Moyen-Âge. Donc voilà, j'ai fait plein de trucs. Donc avant de vous présenter mon village et tout, j'ai dû d'abord vous présenter ma superbe tour de la mort qui se touche. Cette maison là en fait c'est une maison en fait que j'avais fait donc toutefois hein, juste pour le faire, je voulais juste agrandir mon village. Et j'avais pas prévu qu'il y ait de la lame en dessous, en fait j'avais pas trop fait attention. Et en plus que ma maison était en bois, elle a tout cramé. Mais bon c'est pas grave, après j'ai vraiment fait une maison de zombies là-bas et tout. Bref. Donc ma super tour, donc. Parfois je me mets un petit peu en haut, je prends l'arc et puis je tue des zombies pendant la nuit, mais bon là j'ai mis en mode paisible, histoire de faire ma vidéo paisiblement, en mode paisible, il n'y a pas de zombies pour le moment. Donc là je ferme la trappe, on se retrouve dans ma petite chambre microscopique, je ne vais jamais dans cette chambre là pour dormir, je crois pour aller dormir, pour faire passer la nuit, pour se retrouver le jour, je vais dans le village, même pas ici. On redescend ici, c'est la salle d'eau, donc cet endroit là c'est la salle d'eau et en fait j'ai fait un trou dans cette salle, on ne le voit pas, qui fait passer justement l'eau à l'extérieur, puis ça elle débouche dans la mer, mais bon ça n'a aucun intérêt, c'est juste fait pour décorer. Là une petite salle qui sert à rien avec une petite trouille que je ne bouffe pas et un gâteau que je bouffe pas, une bibliothèque ou des livres qui sont virtuels en fait. Ici on peut aller dehors, donc on n'est pas dans le village, on est tout simplement dans la nature avec la maison fantôme là-bas, regardez. Quand un truc il fait trop de trucs, un film d'horreur et tout, on sort. Ah un maison de zombies, oh trop vite. Genre. Paranormal activity. Nous sortons de la maison et nous apercevons ceci. Bref, vous en foutez. Hein. Je vous montrerai la maison de zombies plus tard. Maison de zombies où il n'y a pas encore des zombies dedans d'ailleurs. Attendez juste deux secondes, je vais mettre un lit. Hein, pour comme ça, au cas où il fasse nuit, je me couche direct pour pouvoir faire passer la nuit, pour se retrouver le jour. C'est mieux quoi, pour la luminosité. Donc ça, c'est une salle qui sert strictement à rien. Au départ, je voulais faire quelque chose et tout pour agrandir ma tour, mais ça sert à rien, c'est mieux de faire un village. Et là, donc, on va redescendre. Ça aussi, c'est une salle qui sert à rien. On va redescendre encore. Et là, une salle hyper importante. Attendez, un truc avec une bête, parce que... Ah, c'est juste un petit bug. Donc attendez, je remonte juste ce qui fait que je voulais vous montrer un truc qui sert à rien. Donc voilà, c'est juste pour vous dire que celle-là sert à rien. Redescend. Ah. Et donc là, on se retrouve, en fait, on est hyper bas, on ne peut pas aller plus bas que là. Regardez bien, juste en dessous, c'est le vide. Ça c'est un portail qui ramène vers le Nether, donc je vous ramène juste vite fait. Vite fait bien fait sa grand-mère. Attention, on tombe.
Donc là, en fait, je voulais faire une maison, etc. Mais en fait, j'avais la flèche, je préférais faire le village médiéval. Donc on retrouve dans le, donc on retourne dans le monde normal. La luminosité doit probablement pas non plus être géniale, mais c'est mieux que rien, empêche. Ah zut, j'ai oublié le détail là. En fait, j'ai fait deux portails vers le Nether dans ma splendide structure, donc je vais juste retourner, si ça vous saoule pas trop, oh puis non, je veux juste vous dire, vous savez là, tout à l'heure, donc avant d'aller dans le Nether, quand j'étais tout en bas de la tour, au dernier étage avec le portail, et vous avez remarqué qu'il y avait un autre tunnel. Et bien ce tunnel là, il me permet justement d'accéder à ce dernier étage de la tour par un autre passage, qui se trouve donc là. Après ça fait un passage souterrain, etc. Donc sinon, bon, vous avez remarqué, pour pouvoir accéder au village, hein, j'ai ce petit escalier avec en bas tout un système et tout pour que seul moi puisse passer et pas de villageois. Voilà, et puis voilà quoi, hein. Et puis voilà. Et donc avant de passer directement à ce villageois là par cet escalier, nous allons aller tout d'abord à ce petit village qui est là-bas par un passage souterrain, etc. Donc nous y retournons, on va juste retourner dans la tour encore une toute dernière fois avant d'y aller à ma super chambre avec des photos du creeper. Les creepers, hein, ce sont des zombies suicidaires en fait. Ils explosent eux-mêmes. What the fuck. Les zombies suicidaires. Donc là, on se retrouve dans la salle qui sert à rien. À rien, à part ce petit tunnel. Regardez bien. Donc là tout d'abord, hein, là-bas, hein. Enfin là-bas avec le village, c'est juste pour me ramener dans la petite maison sous l'eau, que vous avez remarqué. Quand j'étais dans les arbres, je suis retourné dans ce monde-là, je suis retourné dans la maison qui est sous l'eau, en dessous. Et en fait, elle sert à rien, elle sert juste pour le fun, comme ça. À regarder les pioches, qui ont toutes disparu, je ne sais pourquoi. Et là, on retourne là-bas, hein, regardez dans le passage secret. Amen. Et on passe par le passage souterrain. Ah, attendez, il y a la nuit qui arrive. Ah. Voilà, donc là, on va dans le passage souterrain. Voilà, coulo Flavius. Non. Attendez, vous savez quoi, est-ce qu'il fait nuit là maintenant? Il se passe quoi? Attendez, là il y a juste un truc qui buzz, je sais pas pourquoi. Je fais juste une petite coupure si vous permettez. Excusez-moi, c'était juste un tout petit buzz, donc on va continuer les gamers. Donc on dort juste pour pouvoir faire passer la nuit, histoire de régler les problèmes de luminosité, car sinon bah c'est un petit peu trop chaud pour vous, quoi. Ce vouloir être trop vulgaire. Donc vous permettez juste que je prends une potion de rapidité. Donc bref, je la cherche. Si vous avez entendu quelqu'un toquer, c'est un bug dans les montages. Ça nuit au truc de rapidité. Tiens, à la place du solo. Et non mais ça va, c'est cool. Alors, donc c'est un petit passage souterrain. Vous allez voir où est-ce que ça me ramène. Je remonte, j'ai la flemme de monter à l'échelle, hein. Et là, regardez, ouvrir, j'ai ce petit levier. Je vais faire à l'aide de ce petit levier. Comme ça, personne ne peut passer, c'est génial. Ici, donc, c'est un petit village en muraille. Donc, en fait, cette petite partie du village, donc rien du tout avec une seule maison, bah, en fait, c'était la première partie que j'avais commencé à faire au départ, quand je voulais faire, regardez. Les fantômes là-bas. Ah oui, c'est vrai. Donc au départ, hein, quand je voulais faire un village médiéval, bah d'abord j'avais commencé à faire ça, mais bon c'est un petit peu trop petit, donc je continue ici à faire des maisons, en plus j'ai carrément continué là-bas. Allez, sinon cette petite porte là qui fonctionne avec des pistons collants, c'est pendant la nuit, hein, quand il y a des zombies qui arrivent, mais bon, comme je le redis,
mais le truc en mode paisible. Sinon, ceci est un canon à TNT que je vous montrerai si vous voulez un jour plus tard. C'est pas moi qui l'ai créé, hein. c'est grâce à une seule sur le web. Peut-être que j'en mettrai le lien de cette vidéo sur internet, sur le serveur de la pub. Cette petite cabane en verre, bah, c'est encore de plus pendant la nuit quand il y a des zombies, les villageois. Ceux qui sont restés enfermés dehors, parce que moi je ferme la porte pour pas que les zombies ils rentrent dans le village, et bien ceux qui sont restés dehors, ils peuvent donc décider de s'abriter dans ces petites cabanes en verre. Hein, de descendre même là-bas. Donc là, il y a des villageois, ce qu'on peut voir, ils sont en train de parler. Je crois pas qu'ils peuvent d'ailleurs se mettre à monter aux échelles, donc c'est un petit peu cool d'avoir fait ça. On voit après, bah, ils sont condamnés à rester enfermés. Il y a également une autre cabane en verre ici. Bon là par contre celle-ci elle a pas de sous-sol. Hein. Et on continue donc allongé. Et là donc on se retrouve dans l'autre partie de mon village. C'est sympa, hein. C'est cool. Je vais vous montrer le passage autre tout à l'heure. Donc, voilà, j'ai fait différents trucs, des baraques. Donc, je vous montrerai l'intérieur plus tard. Ici on peut encore monter par là, comme as. Et ici c'est encore la troisième partie de mon village. C'est des enclos à moutons, des enclos à cochons. D'ailleurs je sais pas pourquoi parfois dans cet enclos à cochons, il y a des villageois qui arrivent, mais j'ai résolu ça. Ils ne peuvent plus venir par au-dessus pour rentrer car il fait des murs. Parce que c'est bon quoi. Hein. Donc ouais. Pour le circulement de l'eau en quelque sorte d'un village pour que l'eau puisse atteindre des maisons. Et ben je vais faire la traditionnelle, donc un courant d'eau, etc. qui arrive, qui passe, qui dévale les pentes et tout. Donc ça à la base, c'est encore une fois moi ça qui l'ai fait. Hein. Avant, donc à la base ici il n'y avait pas d'eau. Et à la base, au-dessus, il n'y avait pas de lac. Comme ça plus, moi qui ai tout créé, j'avais pas envie de mettre directement de l'eau dans les maisons, mais en tout cas on fait tout un circuit. Petite maison, petite lumière sympa, hein. Idem là-bas, ici. Donc sinon, ici, bah, ça sert à rien, c'est juste un petit passage en lave, mais bon, ça sert à rien. Ici, j'avais carrément fait une maison, en fait. Mais bon, ça, je pense que j'ai déjà vu au début de la vidéo. Une maison juste pour agrandir mon village, mais malheureusement, puisque... Enfin, vous voyez, il y avait des parties de... Parce que, puisqu'il y avait une grande partie de la maison qui était faite en boîte et qu'en dessous il y avait de la lave, bah, du coup, elle a été toute cramée, puis j'ai été obligé de mettre plein d'eau pour empêcher les flammes de tout cramer. Vous voulez dire que j'ai eu grave le seum, mais c'est pas grave, hein. Ah merde. Attendez, il y a un putain de bug là. Non, sans vouloir être bug. Ça arrive, les bugs comme ça arrive. Et en fait, j'ai la version craquée. Enfin, j'ai la version 1.3.2 et j'en ai la version craquée. Ah, et donc voilà, donc cette maison avait été cramée. Donc sinon, donc voilà, j'ai la version craquée de Minecraft. Hein. Et donc c'est pour ça en fait que parfois ça bug un petit peu. Donc comme je le disais, donc après avoir fait cette maison, j'ai décidé donc de faire cette petite maison en fait ici. Ici c'est un arbre chenou qui est censé représenter l'arbre qui bouge là dans Harry Potter 3. Vous savez, il y a une espèce d'arbre qui bouge. Et ben cet arbre là, il est censé le représenter. Il n'est pas très ressemblant, mais bon. On est dans Minecraft, donc pas dans Harry Potter en même temps. Donc une petite maison, donc parfois dedans j'y mets des zombies, mais vraiment, les zombies après ne peuvent pas s'y échapper. Ils sont enfermés, la seule ouverture qu'il y a c'est des trous comme ça. Évidemment ils peuvent pas y aller. Et puis évidemment il fait des trous dans le toit, et pas pour faire un genre. Donc voilà, ils peuvent pas aller ici, ils peuvent pas. J'ai tout fait exprès, hein. Donc, les zombies ne peuvent pas sortir de la maison. Ensuite, en bas de la maison, bah en fait quand j'avais fait la maison, et ben je m'étais dit que j'y avais pensé aux films d'horreur, que dans la plupart des films d'horreur, à côté des maisons fantômes. Il y a des lacs, donc j'ai décidé de m'en faire un et tout. Bon, la cabane qu'il y a en dessous, c'est rien, c'est quelque chose d'autre. Ici, donc, c'est de l'eau comme ça qui rejoint ce lac. Ici, c'est un barrage qui alimente ça, là. Enfin, après, je vais vous montrer après. Pardon, je vais vous montrer ma petite cabane sous l'eau, donc. Au lieu d'y accéder directement par dans l'eau, quoi. On va y accéder par un autre moyen.
Oh là. C'est lequel? Attendez. Passe quoi là? Je vais faire un truc. Je vais retourner dans la baraque parce que je n'ai aucune idée de où se trouve la sortie. Ah oui, c'est bien ce que je pensais. La sortie était totalement inondée. C'est pas grave. Ah mince, mince, mince. Bon, c'est pas grave, on va tourner dans la maison. C'est pas grave, on ne pourra pas en sortir. Ce moyen sera avec ces petits briques, mais vous inquiétez, je vais pas rester. Donc là, c'est ma petite maison chelou. Donc attendez, je ressors juste vite fait avant de vous montrer la dernière étape de mon splendide royaume. Ah, c'est pas mettre les murs, c'est galère. Donc voilà, on se retrouve à la surface, et donc ce petit barrage, c'est fait exprès, vous voyez. Quand je vais ouvrir ce levier, ça va donc fermer tous les pistons qui vont soulever avec... Enfin, que, évidemment, ils sont colorés, ils vont soulever avec eux les blocs, ce qui va laisser l'eau partir, il y en a également un là dans les blocs. Et après, bah, du coup, il y aura plein d'eau qui descendra. J'arrive juste à retourner le levier pour enlever l'eau. Un petit système sympa, un petit peu inutile, mais bon, c'est cool quand même, hein. Évidemment, j'ai pas encore fini, je vais encore continuer à l'améliorer, hein. Peut-être qu'un jour, là, je ferai peut-être un arbre géant. Hein, parce que ça va prendre du temps. Ah bah, regardez. J'étais déjà tombé. Voilà, c'est cool. Bah, c'était tout, écoutez, hein. C'est sympa. Allez, je cherche juste s'il n'y a pas des trucs que je voulais pas montrer. Ah oui, quel con. Quel con. J'ai oublié de vous montrer l'intérieur de la maison. C'est un petit peu le but d'un village, il doit y avoir des baraques, non? Allez. Donc là, il y a de l'eau, hein, qui atterrit grâce au courant d'eau. Ah, ça, voilà. Donc dans cette baraque-là, il n'y a strictement rien du tout. Juste ça, et des petits tableaux. Et des lampes torches, évidemment, pour éclairer. Ça va, moi sans trop vouloir me vanter, je me dis où ce que je fais. Voilà. Ici, maison sympa, c'est souvent là que je vais pour dormir, pour faire passer la nuit. Sauf qu'il reste le jour, c'est pour la luminosité, vous voyez. Hein, ben, c'est tout. Je vais juste faire une coupure pour pouvoir vous montrer. Attendez, juste deux secondes, je vais juste vous montrer l'intérieur de la maison, enfin, non. Quel débit mental, je vous ai déjà montré l'intérieur de la maison, je vais juste faire une coupure pour attendre qu'il fasse nuit, et me filmer comme ça, en train de rajouter des zombies à l'intérieur. Boum. Permettez-vous, je mets juste... je prends juste l'œuf de zombies, ce serait peut-être cool, pour pouvoir poser des zombies. Et attendez, à tout